Un truc que je regarde aussi, c'est quand un mec fait du squat, tu vois, par rapport à la semaine d'avant, la vitesse à laquelle ça bouge. Alors, c'est sûr, je ne la mesure pas, ce n'est pas précis ce que je fais, mais si au visuel, je vois que sur les mêmes charges, ça va à 2 à l'heure, c'est peut-être un indicateur, tu vois. Ouais. Et du coup, si, bah, du coup, dans un cas comme ça, ou si moi, typiquement, cette semaine, je fais plus des triples en squat. La semaine dernière, j'ai fait un top 7 à 135. Et là, bon, vu que j'ai moins le temps et tout de m'entraîner, j'ai fait que à 130. Bon, je pouvais mettre plus, mais ça ne servait à rien. Qu'est-ce que tu fais, du coup, la semaine prochaine? C'est au Moi, feeling aussi? j'aime bien travailler au feeling. Alors, si tu te sens bien, je te dirais, va chercher 140, quoi. Ça, c'est vraiment du feeling, quoi. Et ça, c'est un truc, j'en discutais avec un de mes athlètes. Il me disait, ouais, voilà, dans 6 mois, j'aimerais faire telle barre, et dans 6 mois, j'aimerais faire telle autre barre. Et j'ai dit, écoute, je te citais une phrase du grand professeur Raoult, je prédis pas l'avenir, quoi. C'est pour ça que, même par rapport à ce que j'ai appris à la fac sur la programmation, je le prends un peu plus avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas et que je ne peux pas deviner, surtout si on est sur la programmation en ligne. Et du coup, sur l'entraînement, il y a une grosse part d'autorégulation qui va se faire sur le moment, tu vois. Donc, je sais pas, moi, peut-être ton travail d'haltéro interfère un peu, ce qui peut être. Ce n'est pas forcément gênant. Si tu veux chercher plus à développer l'haltéro, du coup, tu es un peu moins de jus en squat. C'est pas, ça peut ne pas être gênant. Mais ça, c'est à voir, franchement, c'est à voir sur le jour, quoi. Après, regarde, si ton squat il monte doucement mais ça défixe pas, ben vas-y, mets plus lourd, c'est vraiment à voir. Moi, j'aime bien justement, en parlant de ça, là, de pas voir l'avenir, l'autorégulation et tout. Je me rappelle, j'avais écouté un podcast de Queen Enoch. Et Oui, j'aime bien. j'adore ce qu'il fait, ouais. Et il disait justement, par rapport justement à autoréguler carrément tout un bloc ou un programme, c'est de faire au feeling de semaine en semaine et de même pas forcément prévoir de semaine de décharge du tout. Et au moment où tu arrives à ne plus faire de surcharge, du coup, bah, c'est potentiellement là où tu es fatigué, c'est ton corps qui te dit bah, je fais la décharge maintenant, plutôt que de la prévoir la semaine 4, comme on disait tout à l'heure, alors que finalement, peut-être que physiologiquement, elle va arriver à la semaine 5 ou 6. Et du Ouais, coup, c'est si ça. tu l'as fait à la semaine 4, bah, tu as perdu une semaine d'entraînement productif pour continuer à surcharger. Et du coup, j'aime bien cette philosophie-là. Et puis, en plus, on ne peut jamais dire je ne vais jamais faire de séance de décharge. Enfin, voilà, alors, ce serait le meilleur des cas, mais on est toujours fatigué à un moment ou à un autre. Et du coup, on peut gérer ça comme ça. C'est ça, et même si tu prévois pas un deload à proprement parler, tu peux réduire l'intensité sur certaines semaines parce que tu sais que la semaine d'après, tu veux monter. J'aime bien mettre de l'autorégulation en haltéro. Tu vois, par exemple, des fois, je mets RPE 7. Alors, ça ne veut pas dire le RPE du powerlifting, tu vois. Mais quand je mets RPE 7, enfin, mes athlètes, ça, ils le savent, ça veut dire tu fais une belle rep qui soit parfaite techniquement et avec de la vitesse, tu vois. Genre la rep, le cas d'école, quoi, tu vois. Et du coup, ça leur permet de se gérer parce que des fois, tu peux faire un 90%, allez, un single vraiment très joli, très facile. Et des fois, ça va être un 80% qui va être à la même difficulté, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que l'autorégulation, c'est vachement important. Et surtout si tu t'entraînes seul. Parce que si tu es dans un club d'haltéro, ton entraîneur il va dire, OK, aujourd'hui, tu décharges, il va le voir. Mais si toi, tu t'entraînes seul, c'est là où l'autorégulation prend tout son sens. Et comme tu disais, voilà, plutôt que faire des deloads toutes les 3-4 semaines, manager l'intensité pour pouvoir être performant longtemps, quoi. Tu manages ton intensité comme ça, si tu sais que la semaine prochaine tu veux monter, cette semaine tu es plus en mode tu fais plus du jus, quoi. Bon, ensuite, une prochaine question un peu moins technique, un peu plus ludique. Ce Ouais, serait quoi tes semi-techniques préférées? Et alors semi-technique pourquoi? préférée, semi-technique préférée. L'arraché des plombs, ça c'est vraiment un truc que j'adore. Je peux arracher mon max des plombs, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. J'aime bien le jeter avec une pause à l'appel, tu vois. Ouais, ça c'est brutal. Mais en même temps, c'est vrai que moi j'ai des bonnes sensations dessus. J'arrive à monter assez lourd et même des fois me dire que j'arrive à pousser plus droit qu'avec le rebond, entre guillemets. Ouais, bah, écoute, ça c'est un truc que j'utilise beaucoup pour ceux qui ont des impulsions un petit peu foireuses, tu vois, c'est pas bien dans l'axe. Avec une pause, des fois ça se règle. Semi-tech que j'aime beaucoup, en fait, j'ai pas de semi-tech que j'aime beaucoup parce que tout simplement j'en fais pas des masses, quoi. Peut-être c'est le moment d'en parler ou tu voulais en parler plus tard, Bon, mais vas-y, hein, c'est au feeling, hein.
Le Go-Go Gadget? Ouais, qu'au final, plus j'avance dans l'haltéro, moins je fais de variantes. J'ai remarqué, ça, c'était un truc que j'avais remarqué il y a longtemps. Quand j'étais au club, je suis arrivé une année olympique, c'est-à-dire il y avait une qualif olympique, et j'ai vu des mecs qui, voilà, qui s'entraînaient en vue de la qualification olympique. Et en fait, ces gars-là, pendant que moi, je pensais qu'il me fallait plein de décompositions techniques, ces mecs, ils faisaient de l'arraché épaulé jeté, squat tirage. Ils faisaient le deuxième jour de l'arraché debout, du jeté support. De l'épaulé debout et ça repartait après sur un peu toujours la même chose quoi. Et ça c'était un truc déjà que j'avais remarqué, mais bon, j'avais remarqué ça comme ça quoi. Ça dépendait peut-être aussi du bloc dans lequel ils étaient. Ça dépendait effectivement du bloc dans lequel ils étaient, mais maintenant je crois de plus en plus que il faut faire des programmes qui soient simples et limiter au maximum le nombre de variantes que tu mets. Parce qu'au final, plus tu travailles de variantes, c'est comme si tu travaillais d'autres mouvements, même si t'aides, mais au final, tu rajoutes de la complexité, tu vois. Et au final, j'ai l'impression qu'on s'y perd un peu. Et donc, Ouais. même moi, tu vois, dans mes programmes d'entraînement, je considère les semi-techs comme des outils. Et du coup, je te sors pas toute la panoplie d'outils, tu vois. Dès le début, je crois que tu en avais parlé un moment dans le podcast. Je te sors un outil que s'il y a besoin de le sortir, quoi. Ouais. Donc, moi, je pense que le gros du travail, ça devrait être arraché, épaulé jeté, squat, tirage. Et ce, peu importe le bloc. Ce qui va changer, c'est la façon dont tu les gères, tu vois. Par exemple, quand tu es en pré-compète, je suis pas contre faire quelques tirages, tu vois, pour faire des rappels de force, tu vois. À l'inverse, à l'autre bout du spectre, quand tu es en foncier, ben, plutôt que faire des combinés très longs, faire des triplés à l'arraché, beaucoup de séries, je pense que c'est quand même plus productif parce qu'au final tu restes sur ton mouvement de compétition quoi. Et au final si toi tu as fait on va dire 100 reps sur un mouvement dans toute une préparation et si moi j'en ai fait 300, je pense que j'aurais un avantage ne serait-ce que de confiance quoi. Et puis au final, la variante, elle vient du fait que tu fais des triples. Ben, la variante voilà, elle vient du fait que je fais des triples que du fait que je vais la faire en aimant par exemple, tu vois. Ou alors du fait que je vais la faire à partir du squat. Ouais, c'est ça Alors qu'on peut trouver de la variété, pas forcément dans l'exercice, mais dans l'intensité et dans le volume aussi qu'on met. Et c'est ça de toute la façon, périodisation, quoi. je pense que l'haltéro, c'est un sport un peu relou, quoi, dans le sens où la définition de l'haltéro, c'est trois essais arrachés, trois essais épaulés jetés, point. À partir de là, si tu fais. Ça, c'est la modalité qui est évaluée. Donc, tu dois t'entraîner dans cette optique-là. Et du coup, ben, je pense que pour être fort en haltéro, et ça, c'est un truc. Je dis beaucoup aux gens que j'entraîne et. On me l'avait déjà dit, mais j'étais persuadé qu'il fallait énormément de. Que si tu étais très bon sur les variantes, tu allais l'être sur le mouvement technique. Mais en fait, pour être bon en haltéro, bah, ça, tu peux le mettre peut-être en sur Dans la la, description, ouais, la description ou alors en titre, en gros. le teaser. Pour être bon en haltéro, faire du squat, du tirage, arraché, épaulé jeté. Et après, à côté de ça, tu te rajoutes un renforcement spécifique et général. Alors, le spécifique, c'est bah, pour être fort sur tes positions. Le général, c'est en prévention des blessures. De toute façon, il faut être le plus fort, le plus complet possible. Et basta. Je pense que si tu fais un million de trucs, un million de. Si tu fais beaucoup, beaucoup de variantes, tu vas t'y perdre. Et même si tu regardes les athlètes internationaux, au final, ils n'en font pas tellement des masses, quoi. Et voilà, donc je dis, pour être fort haltéro, voilà, faut avoir arraché squat tirage. À un moment donné, ça commence à devenir lassant. C'est vrai. Du coup. C'est à ce moment-là que, par exemple, en hors-saison, tu peux rajouter des variantes, mais tu vas les mettre plus en mode. Tu vas continuer à travailler quelque chose assez spécifique, sans te dire que ça va forcément t'améliorer sur ton arraché. Tu vois, admettons, là, j'ai quelqu'un, on a fait deux gros blocs d'arraché, d'épaulé jeté, ça fait plus de 10 semaines, du coup, faut mettre de la variété. Ben, pour faire un petit cycle de transition, je mets deux squats claves, un jeté. Tu vois? Arraché prise épaulée, je vais mettre des petits combinés du style le tore complexe, mais en fait, je ne me dis pas que c'est grâce à ça qu'elle va progresser, mais je veux dire, je lui fais faire ça parce que ça ressemble quand même à de l'haltéro, on reste dans le thème, tu vois. Voilà, on reste dans le thème, on reste assez spécifique, mais c'est pas ça pour moi qui va la faire progresser. Au mieux, ça va rien changer, au mieux, ça va l'aider, au pire, ça va rien faire, tu vois. Et puis Donc, dans tous les cas, ça apporte au moins la variété psychologique pour rester motivé, pour continuer à le faire, quoi. exactement, parce que c'est vrai que après moi j'aime ça, donc je peux faire de l'arraché de l'épaulé jeté toute l'année. Il y a des gens, je pense, qui sont comme moi et des gens qui auront besoin
de plus de variété. Mais du coup, si tu as besoin de plus de variété, je te conseillerais même carrément de faire autre chose, du style ou de la muscu, ou pourquoi pas faire du crossfit, tu vois. Par exemple, tu es quelqu'un qui s'entraîne, on va dire, 4-5 fois par semaine, on va dire 5 fois par semaine, ben, enlève 2 entraînements d'haltéro, fais 2 entraînements de crossfit, ça va te changer les idées, tu vas te challenger parce que tu as des mecs qui n'auront pas tes barres, qui vont te mettre des grosses raclées. Ça va te faire aussi travailler, c'est bien de sortir de sa zone de confort, ça va te faire travailler d'autres choses, mais ça va faire travailler ton mental parce que du coup, tu vas devoir t'adapter pour, si tu cherches à progresser, bien sûr, après. Mais voilà, tu vas devoir te sortir de ta zone de confort. Mais voilà, je ne mettrai pas, même dans mes programmes, tu vois, il n'y a pas une tonne de variantes, quoi. Là, si on en prend un, j'en prends un au pif. Hein. Ouais, de toute façon, si on rentre dans les bons principes, c'est essayer de bien gérer les deux faces de la même pièce et l'adaptation dirigée. C'est-à-dire que pour s'améliorer à quelque chose, bah, il faut faire ce quelque chose. Et l'autre, c'est la résistance adaptative. C'est qu'au plus je fais quelque chose, au moins c'est rentable de le faire. Mais c'est vrai que le principe de spécificité, c'est quand même celui qui est le principe maître de l'entraînement. C'est que pour être bon à quelque chose, il faut faire quelque chose, quoi. Après, je suis pas contre, tu vois, si tu es en mode hors compète et tout, t'en as marre du squat, ben faire du squat à la safety bar, je suis pas contre du tout. Mais et ça peut même avoir des effets positifs sur le back squat parce que tu sais qu'en force, il l'utilise. Alors bon, l'exemple là, il est mal choisi. Mais je veux dire, quand je mets une variante, je me dis pas que forcément cette variante, elle va forcément te faire prendre 10 kilos sur ton arraché ou ton épaulé jeté. Mais elle peut avoir aussi l'idée de faire autre chose. Tu vois ce que je te disais, là, je suis sur un programme, donc des variantes, j'ai tirage des plots. Attends, on va parler que des variantes techniques. J'ai de l'épaulé suspension basse. Donc au final, en termes de variété, c'est quand même le degré numéro 1, puisqu'il y a juste le contact avec le sol qui manque. Ouais, sinon, l'amplitude de mouvement est liée, quoi. Il y a de l'arraché des plots. Et c'est tout. Il y a deux variantes, en fait. Et il y a que deux variantes. Après, ce qui va varier aussi, c'est le format, tu vois. Des fois, on est en triplé, des fois, on est en doublé. Bah, de toute façon, les doubles et les triples, c'est une variante en soi. Dès lors que ce n'est pas un simple en arraché ou en épaulé jeté à grosse intensité, c'est une variation. Après, par exemple, quand j'ai besoin de travailler un défaut, là, oui, je vais mettre une variante, mais ma variante, c'est juste un outil, tu vois, pour régler un problème. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de l'auric. Pour corriger, tu vois, son hyperextension de hanche, on a mis du suspension haute en puissance. Donc no fit. Du coup, vu que tu peux pas sauter, ben tu peux pas aller chercher très loin avec la hanche. Et ça a vraiment aidé à corriger son geste, quoi. Il y en avait une fois par semaine, ça a suffi. Peut-être que quelqu'un il en faudra deux. Mais une fois que là-dessus, il a pu s'approcher de sa RM, ben peut-être en mettre de temps en temps en rappel. Mais en soi, il a plus besoin de progresser là-dessus, quoi. C'est pas parce qu'il est plus fort qu'il devient forcément plus fort là-dessus qu'il sera plus fort en arraché, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est plus le point bloquant. Voilà, c'est plus le point bloquant. Et le problème des variantes aussi, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que des fois, on arrive à corriger le défaut sur la variante, mais pas sur le mouvement technique. Ouais. Je te prends mon exemple. Du coup, moi, à l'épaulé, j'accroche moins, mais j'accroche encore des bras. Après les genoux, tu vois, j'arrive à un moment donné, j'étais presque en rowing, quoi. Ça va un peu mieux, mais voilà, niveau relâchement des bras, je suis vraiment pas. Enfin, déjà, mon épaulé, c'est pas. C'est pas fameux, mais du coup, si tu mets du suspension haute ou des plots, et je vais pas le faire. Ouais. Tu vois, pourtant, on va travailler cette partie-là sur du suspension haute, je vais pas le faire. Du coup, est-ce que c'est alors peut-être me mettre du suspension haute, ça peut m'aider à avoir la sensation, mais il faut qu'après j'arrive à la faire du sol. Mais en soi, je pense que je pourrais monter à 90-95% même en épaulé en suspension haute ou des plots, tu vois. Mais est-ce que je referai la même chose? Est-ce que mon défaut ne reviendra pas sur du départ sol? J'en suis pas convaincu. Ouais, c'est quand on parle tout le temps, c'est qu'il faut avoir un transfert. Est-ce qu'on fait si on s'améliore à une variante, mais qu'il n'y a pas de transfert au mouvement principal, l'intérêt est limité, quoi. Tu vois, une variante qui aide beaucoup, même si moi je suis très mauvais là-dessus, c'est le debout, tu vois. Parce qu'au final, quand tu fais un debout ou un power, bah, tu pars du sol et la seule chose qui va changer, c'est le moment où tu bloques. Mais en soi, c'est pas si différent, sauf si tu as une technique un starfish, tu vois. Mais si tu as une technique relativement correcte, je trouve que c'est une bonne variante parce qu'en plus, tu travailles sur la vitesse. Tu vas mettre moins lourd, donc tu vas moins te fatiguer. Une RM debout, ça fatigue moins qu'une RM du sol, quoi.
Donc, ça peut être une bonne variante à utiliser. Enfin, en fait, comme tout, c'est juste des outils. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas un grand fan des variantes pour mettre de la variante, quoi. Je pense qu'on a fait le tour sur les variantes pour cette fois-ci. Ouais. Moi, je voulais savoir, du coup, comme on parle pas mal de tout ça, toi, à titre plus, entre guillemets, affectif, c'est quoi qui te plaît dans l'haltéro? Qu'est-ce qui me plaît? Alors ça change un petit peu, ça évolue beaucoup. Actuellement, j'ai l'impression que j'ai passé, tu vois, l'euphorie du début, dans le sens où c'est une activité qui dé tu débutes, tu vois, elle est bien cette euphorie parce qu'elle te fait progresser. Je pense que je l'ai passé, et maintenant je pense que je fais de l'haltéro parce qu'au final j'aime ça, quoi. Alors moi, ce que j'aime, c'est voilà, c'est progresser. J'aime soulever lourd. Alors lourd pour moi, c'est peut-être léger pour un autre, mais Ouais. Moi, je veux dire. j'aimais bien, tu avais fait une citation à un moment, on est tous le nuque de quelqu'un d'autre. Ouais, exactement, ouais, exactement, exactement. Bah, comme je te disais, moi, quand j'ai commencé, il y avait je voyais un gars qui arrachait 160 sous mes yeux. Imagine-toi, tu as un an d'haltéro, tu vas 160, mais avec de la vitesse, ça frappe au bassin, ça frappe au sol, tu vois. Du coup, enfin, je dis ça parce que voilà, quand tu as un mec qui arrache, ouais, c'est une belle barre arracher 120, tu vois, mais un mec qui arrache 120, qui prend de haut des gens qui arrachent moins, bah, je trouve, voilà, il faut se souvenir de cette phrase en disant qu'on est tous le nul de. Ben, je sais pas s'il y a un lien dans ce que je raconte, mais moi je le vois. Ouais, carrément. Donc ouais, voilà, j'aime bien progresser, soulever lourd. Au final, c'est à l'heure actuelle, c'est plus devenu une habitude, tu vois. Mais une habitude que j'aime. C'est aussi là où j'ai mes amis, tu vois. Ouais, mes amis les plus proches font de l'haltéro, donc c'est un peu dans le moment, si tu veux. L'année dernière, tu vois, on faisait notre pause café à la fac. On se buvait notre café ensemble. Ouais, aujourd'hui j'ai prévu ça, ok, machin. C'est plus un moment que j'aime, tu vois, que dire ouais, je fais de l'haltéro parce que ça m'apporte ci, parce que ça m'apporte ça. Alors, oui, ça m'a beaucoup apporté, tu vois, de la confiance en moi. C'est le premier sport que je fais en compétition. Ouais, j'avais fait du foot petit, mais bon, ça. Voilà quoi, Ouais, c'est en un sport. poussin. Pardon? Quand t'étais en poussin. Ouais, voilà, exactement. Ouais, exactement. Ouais, c'est le premier sport que je fais en compète. J'ai pas mal progressé sur ce sport, j'ai fait beaucoup de rencontres. Au final, c'est plus tout le monde de l'haltéro que j'aime bien, tu vois, que dire que je fais de l'haltéro parce que ça m'apporte un truc en particulier, tu vois. Ouais. En fait, J'avais une autre question tout à l'heure, en plus ça fait vachement écho à ce que tu dis là. C'était quelle est ta relation avec tes athlètes? Et en même temps, je peux la relier avec la question que j'ai passée, c'était quelles sont tes influences? Et du coup, influence sous-entendu, les influences des personnes qui t'influencent en fait, ouais. quoi. Ok, alors je finis rapidement. Ce que j'aime aussi beaucoup en haltéro, c'est les compètes, tu vois. C'est arrivé. Ben, moi, je suis un mec, je stresse un peu en compète, un peu beaucoup même. Et j'aime bien voir arriver. Tu sais que t'es un peu tremblant, t'as bu beaucoup de café. Et au final, cette adrénaline-là, je l'aime bien, quoi, tu vois. C'est un truc que j'adore, voilà. En plus, quand t'as les copains qui sont là pour t'encourager, tu le mets dans le personnage. Moi, tu vois, j'aime bien célébrer un peu. Voilà, quoi. Ouais. J'aime bien faire un peu de... C'est aimé ou pas, mais voilà, j'aime bien faire Un ça, peu le quoi. show. Voilà, ouais, on peut appeler ça comme ça, quoi. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est beaucoup les compètes, tu vois, parce que c'est en compète que tu peux te dépasser, que tu peux, des fois, tu as peur d'une barre, hein, y a pas de honte à le dire. Je pense que même les athlètes de haut niveau, des fois, ils doivent avoir une certaine peur. Mais voilà, c'est quand tu dépasses ta peur et qu'au final, la barre, elle est au-dessus de la tête et que tu entends le signal down, quoi. Alors du coup, Ouais. attends, je me décale un peu, parce qu'il fait soleil, mais est-ce que c'est bon là? On voit bien. Ouais, c'est bien. Ouais, la question c'était bah, quelles sont les personnes qui t'ont influencé? Et donc, bah, du coup, notamment, je pense que tes athlètes aussi t'influencent. Et puis, c'était du coup, quelle est ta relation avec tes athlètes, tes influences, etc. Ok, alors je commence par la relation avec les athlètes. J'aime pas avoir une relation de dépendance, tu vois. Même par rapport au côté financier, tu vois. C'était Sean dans Upside Strength qui avait fait une vidéo super intéressante là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait de dépendance entre l'athlète et le coach, et entre le coach et l'athlète, dans le sens où voilà, les athlètes, ben, s'ils me contactent comme coach, ça veut dire que je suis leur référence pour l'haltéro, tu vois, dans le sens où c'est moi qui leur dis, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est moi qui fixe un petit peu les curseurs. S'ils ont besoin de conseils, ben, c'est moi qui les conseille, tu vois. Mais dans le sens où ils peuvent se passer de moi, j'essaie de leur donner des indications. Par exemple, je dis, voilà, quand tu regardes ta vidéo, regarde à tel endroit, tu vois, à tel endroit, tu vois ça.
Et toi, essaye de sentir ça. Donc, je veux pas qu'il y ait de relation de dépendance ni de prendre l'ascendant, tu vois. Forcément, quand tu es le coach de quelqu'un, voilà, il y a forcément le respect, tu vois. Mais après, je veux que ce soit une relation qui soit détendue et une presque des, je sais pas si le mot est bien choisi, presque des amis, tu vois, dans le sens où voilà, on se parle d'égal à égal. Moi, je suis là pour encourager et pour aider. En fait, moi, j'aime bien, c'est ce que je dis en personal training, je suis juste le copilote dans le sens où moi, j'ai pas de pédale, j'ai juste une carte parce que je pense savoir où faut aller, même si je peux me tromper parfois, mais voilà, je pense savoir avoir la carte en main. Mais c'est l'athlète qui fait le job, quoi. Et je pense que si l'athlète réussit, moi, j'aime bien dire, c'est pas, enfin, c'est lui qui a fait le job et moi, j'ai participé un peu, mais c'est surtout lui qui a fait le job, quoi. Donc voilà, je veux avoir une relation où on s'entend bien, forcément. Pourquoi pas qu'on s'entraîne ensemble et que voilà qu'on s'encourage, tu vois, parce que le sport c'est avant tout ça. Le sport c'est avant tout passer un bon moment avec les amis. Enfin, c'est ma vision. C'est cette relation que j'ai envie d'avoir là, quoi. Que même qu'on puisse aussi, tu vois, se taquiner, tu vois, genre je m'entraînais avec des gars, tu vois, et c'est vrai que j'ai pas un épaulé qui est franchement très académique. Et des fois ils me disent ouais, essaye d'accrocher encore plus des bras, tu vois. J'aime bien quand ça se taquine un peu. Et que voilà, que c'est pas parce que je te coach que tu peux rien me dire. J'ai vu dans un podcast de comment il s'appelle, Weightlifting House, là, où c'est un jeune, bon, qui est une brute quand même, il fait taper la barre, je crois qu'il s'est arraché, il l'a fait taper sur le ventre. Oui. Ouais, voilà, mais j'aime bien ce genre d'ambiance, tu vois, quand c'est, on va dire, le viril mais correct, tu vois. On charrie, quoi. Voilà, on charrie, mais on s'encourage, tu vois. Voilà, on se pousse tous les uns vers les autres, quoi. Et voilà, qu'on partage un bon moment autour de. On lève des barres où on est content, quoi. Au sujet des personnes qui m'influencent, ben, je dirais que les personnes qui m'ont le plus influencé, c'est les gens que j'ai connus quand je suis arrivé dans mon club, tu vois. Les entraîneurs de Clermont, qui sont pour moi encore à l'heure actuelle des références absolues, quoi. Ça reste mon école. Et pour moi, c'est si j'ai des questions à me poser, c'est vers eux que je me tournerai ou c'est vers eux que je réfléchirai. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient face à la situation? J'ai aussi un ami du club, pour ne pas le mentionner, il s'appelle Julien, avec qui des fois, même si j'ai une question pour un athlète, je dis voilà, qu'est-ce que tu ferais toi? Ça reste quand même des personnes pour moi où j'ai débuté et qui ont toujours mon respect. Ouais. Pour moi, c'est je sais pas comment dire, c'est un peu comme comme ton père, quoi. Ton père, voilà, il n'est pas parfait, il se trompe, mais ce qu'il te dit, tu l'écoutes, quoi. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là, je veux dire. Après, il y a Squat You. J'ai lu son bouquin qui m'a beaucoup, beaucoup influencé. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le livre dont on a parlé de Glenn Pendley. Forcément aussi, à l'heure actuelle, il y a mon coach Louis qui fait du super boulot, qui est en train un petit peu de... comment dire, de mettre un nouvel élan à l'altéro, et ça fait partie aussi des gens que j'aime bien apprendre d'eux, tu vois, des gens qui m'inspirent. J'ai aussi connu un entraîneur espagnol, il avait été athlète aussi, qui m'a aussi beaucoup appris. Il s'appelle Sergio Martinez. Il faisait du 155-185 par là en moins de 77. Pas mal. Ouais. des très belles barres, quoi. Je dirais aussi, j'ai eu un entraîneur aussi qui m'avait pas mal initié au functional bodybuilding, tu vois. Donc ça m'a pas mal inspiré aussi dans ma pratique et dans ce que j'ai fait faire aux autres. Et pour terminer, j'aime bien aussi voilà le Weightlifting House, tu vois, même si c'est pas du coaching, l'état d'esprit qui dégage. C'est inspirant, ouais. Ouais, c'est vachement inspirant, quoi. Et puis quand tu vois les gars dans les training halls, je sais pas, c'est un truc. Ouais, avant la séance, ça motive, quoi. Ouais, je trouve que c'est un super booster, ouais. Et puis même si voilà, un jour j'avais un club, j'aimerais bien qu'il y ait une télé et pouvoir balancer des trucs comme ça. Ouais. Ça motive bien. Et en plus, je trouve qu'il fait un peu comme War Camp aussi, rendre l'altéro sexy, quoi. En fait, ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. L'altéro, maintenant, ça devient cool, ça devient sexy. Et maintenant, tu vois, il y a une nouvelle génération de lifters dans le sens où avant, l'altéro se pratiquait pas en dehors des clubs d'altéro. Grâce au CrossFit, elle se pratique en dehors. Et maintenant, tu vois, tu as des mecs un petit peu comme moi qui, voilà, c'est parce que cette année, voilà, il n'y a pas eu de compète, mais qui sont pas spécialement rattachés à un club en particulier, mais qui sont rattachés à la pratique, tu vois.
et qu'au final, ce qu'ils veulent, c'est tirer des barres, peu importe pour qui ils les tirent, tu vois. Ouais, et puis il y a du monde partout pour tirer des barres entre nous. Voilà, et c'est quelque chose d'un peu nouveau, parce qu'avant, l'haltéro, c'était vraiment un truc de club. C'est pas mal, hein, mais au contraire, ça permet de développer les clubs, et au contraire, c'est une super... Et je veux dire, c'est bien, parce que maintenant, tu as des gars qui veulent tirer parce qu'ils aiment tirer, quoi. Et peu importe que ce soit dans leur club, que ce soit maintenant dans la rue, sur leur jardin ou dans une box de CrossFit, quoi. Bah, ça devient plus populaire et accessible à plus de monde. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas coach? Je pense kiné. Ouais. Kiné, ouais. Au final, c'est. Quand j'étais plus jeune, j'y avais pensé, mais entre une chose et l'autre, je n'ai pas fait. Donc, ouais, je dirais kiné. Et d'ailleurs, quand tu disais au tout début que tu avais fait des études en truc de physique, là, ouais. C'est quoi? C'est en mode physique, physique-chimie ou... Ouais, j'ai fait la mesure physique, c'est physique et instrumentation. Ouais. Je ne vois pas de quoi ça parle, moi. Mais... Alors, en fait, concrètement, c'est. Tu as un phénomène physique, il faut le quantifier. Et il faut pouvoir le mesurer, tu vois. Et après, tu mets en place des chaînes de mesure pour, si tu veux, quantifier ton phénomène. Tout simplement, l'électricité, tu vois, c'est l'exemple facile avec le voltage, etc. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, après, tu as du travail sur les capteurs, un peu d'infos. Okay. Un peu comme The Perf Club, au final, qui quantifie la charge d'entraînement avec le volume, l'intensité, le tonnage, la charge, tout. Exactement. Bah, je pense qu'on approche la fin. Est-ce que tu veux dire un truc ou parler un peu de la suite pour toi au niveau des coachings, si tu veux parler un peu de s'il y a des gens qui veulent te contacter ou c'est le moment. Alors, ceux qui veulent me contacter, c'est avec Cortez Blacklifter sur Insta, je pense que c'est le plus facile. Sinon, je dirais juste ouais, que peu importe votre pratique, on parle d'haltéro, mais surtout, continuez malgré la situation. Que le sport, ça devienne un événement positif. De continuer, je refais. Continuez à faire sa pratique et surtout kiffer ce que vous faites, quoi. Si vous faites de l'haltéro, kiffez. Si vous faites de la force, kiffez. Et abordez le sport de manière positive et c'est comme ça que les progrès seront là. Et c'est comme ça qu'on durera dans le temps, quoi. Cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Moi, je vais en profiter pour mettre un petit message publicitaire pour The Perf Club. Du coup, puisque c'est grâce à ça qu'on peut faire les podcasts. Ouais. Du coup, The Perf Club, donc c'est la plateforme que je développe. Et du coup, donc en une phrase, c'est une plateforme qui vous permet de faire vos programmes d'entraînement et qui vous les analyse et qui analyse aussi le niveau de forme des athlètes pour s'entraîner mieux. Et du coup, il y a trois grands piliers. C'est un, l'autorégulation, pour pouvoir adapter ses séances en fonction de sa forme du jour. En deux, essayer de limiter au maximum le risque de blessure en évitant le surentraînement et le sous-entraînement. Et en trois, essayer de gérer au mieux son niveau de forme. Donc, soit pour créer de la fatigue, forcément, quand on est dans un bloc où on veut progresser à moyen terme, ou justement essayer de gérer au mieux cette fatigue pour atteindre un pic de forme pour préparer une compète, pour préparer ce fameux PR qu'on fait le plus souvent possible. C'est ça. Donc, merci à toi de m'avoir reçu et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah bah oui, ça c'est sûr, compte sur moi. De toute façon, c'est prévu, hein. Pour ceux qui écoutent, on a déjà plein de sujets dont on va parler pour la prochaine fois. En tout cas, c'était hyper cool. Moi, j'ai pris du plaisir à faire plus connaissance avec toi aussi. Pareillement, ouais, c'est super, super. C'est toujours agréable d'échanger d'un sujet qui nous passionne. Carrément. Et puis, ceux qui vont nous regarder, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker pour savoir si ça vous a plu, puisqu'on ne peut pas deviner. Et donc, essayez de nous mettre un petit mot gentil, en tout cas, ça nous fera plaisir. Et puis, bon entraînement à tous. Bon entraînement à tout le monde. Ciao.